Cinéjane et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exclusive. J'espère que tout le monde va très bien, car ben moi ça va super. Je suis revenu du ski, j'ai passé une super semaine et j'ai beaucoup réfléchi sur les vidéos et j'ai décidé donc d'améliorer ces vidéos. Alors d'abord, vous avez bien vu que là je me dévoile devant vous, hein, ça fait un peu bizarre, c'est la première fois pour moi et c'est pourquoi je vous demande d'être un petit peu indulgent, hein. Faites un effort. Alors, je vous tenais déjà à tous vous remercier de continuer à me suivre. J'ai atteint le cap des 1000 abonnés, je l'ai même dépassé maintenant. J'ai beaucoup de vues et franchement, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et ça me tient très à cœur. J'aime ce que je fais, j'espère que ma passion vous plaît. Ouvrir des boosters, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'aimerais que j'ai eu quelques critiques sur ces ouvertures et je tenais à vous en parler. Il faut savoir déjà que j'essaie de toucher le tout public. Il y a des gens de très jeunes, vers 10 ans, qui regardent mes vidéos, comme des gens vers plus de 18 ans. Et c'est pas facile d'équilibrer justement ces âges pour que ça plaise à tout le monde. Donc c'est normal parfois que je fasse des blagues enfantins, comme il y a des moments où je reste sérieux. Alors j'espère que quand je combine les deux, ça vous plaît. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a vraiment des gens de tout âge qui me regardent. Alors soyez un petit peu indulgents. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, au sujet d'ouverture des boosters, je sais que pour certaines personnes, je joue des boosters très rares, et ils trouvent que c'est du gâchis. Je ne suis pas d'accord sur cela, car justement, ma passion, c'est d'ouvrir les boosters, et j'aime pas acheter les cartes à l'unité pour compléter une série. Donc ma passion, c'est vraiment de me rappeler mes souvenirs d'enfance et d'ouvrir des boosters rares. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est ce que j'aime faire. Donc essayez de comprendre, et si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder non plus. Chacun fait ses choix. Ensuite, je voulais aussi vous dire que j'abandonne le concept du jeu questions rapides, car c'est pas forcément équitable pour tout le monde. En effet, ceux qui arrivent en premier, ils peuvent voir la vidéo et donc ils peuvent répondre à la question, alors que ceux qui arrivent plus tard, deux jours après, n'ont pas leur chance. Donc j'ai décidé d'abandonner ce concept, et à la place, je le remplace par une nouveauté. Maintenant, au début de la vidéo, au lieu de voir le fond et de blablater sur les boosters avant de les ouvrir, vous allez me voir. Vous allez pouvoir me voir Nejane dans toute sa splendeur, je vais faire plein de gestuels, peut-être des effets musicaux, je sais pas encore. Mais ça permettra au moins de rendre la vidéo plus attrayante et de vous divertir encore plus. Donc c'est moi qui vous parlerai des boosters et vous me verrez moi et pas le fond. Ce sera peut-être un petit peu mieux. C'est pour cela quand même que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas rester à vous voir, enfin me voir blablater, mais plutôt à ouvrir maintenant des boosters qui me tiennent très à cœur. Vous avez deviné, je pense, c'est la dernière série X que je n'ai pas ouvert, la série X Phantom Alone. Allez, c'est parti. Et voilà donc les fameux boosters X Phantom Alone. Donc ça va être une superbe ouverture, j'espère que ça va vous plaire, car franchement je suis hyper motivé. Et je sens qu'on va bien se faire plaisir. Au sujet de son histoire, je vous renvoie sur la vidéo de Dark of Us 022 qu'il a faite il y a quelques jours, où il a vraiment tout dit sur cette série, donc je vais pas le refaire, et je vous mets plutôt le lien de sa vidéo dans la description. Et je le remercie encore pour la belle dédicace qu'il m'a faite. Merci à toi l'ami. Alors c'est parti pour les boosters. Je vous les présente vite fait, hein. Donc mon booster préféré, le booster Léviator. Je l'aime bien, il s'inflète vraiment bien le Léviator. Là on voit toute sa rage. Il fait peur. Ensuite, on a le booster Mewtwo. Assez stylé, je trouve. Ensuite, on a le booster Mangriff. Bon, lui, une illustration assez belle. Et enfin, le booster Kabutops, que j'aime particulièrement. Franchement, il est vachement stylé, je trouve. Et il va avec le fond que j'ai mis pour la vidéo. Voilà. Je suis vraiment excité par cette ouverture. Et j'espère qu'on va avoir de bonnes pioches. Allez, on met les boosters au fond. Et on en voit tout de suite l'ouverture de la vidéo. Tenez, je vous montre à quoi ressemble un petit booster au dos avant de les ouvrir. Voilà, donc ça ressemble à ça. Si vous voulez lire, pas de soucis, hein, faites pause, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vous propose de lancer l'ouverture. Alors, on va y aller doucement parce qu'ils ont l'air super fragiles. Et vu que j'ai pas envie de les abîmer, je vais faire très attention. Voilà, ça c'est un booster parfaitement bien ouvert. De quel côté? Ouais, les images sont par là-bas, je crois. Ah bah non, ils étaient en face. Donc, waouh, on commence avec une superbe carte, un Gallifeu magnifique. Le placement des cartes, et pour les Booster X, il me semble que c'est la 3 et la 4. Donc, on va faire ça. Donc, j'avais vu le magnifique Gallifeu. Franchement, donc, il n'y a même pas besoin d'une macro. On va voir si ça fait un peu plus de lumière.
Non, pas particulièrement. Ah, j'aime bien son attaque, ça sent le roussi. Ça va être le titre de la vidéo, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Et en plus, il est super beau là, dans la galaxie et tout. Pff, super illustration pour commencer. Le projet de Monsieur Rochard, d'accord. Un E9 en espèce delta, je rappelle pour ceux qui ne sevraient, qui ne sevraient pas, qui ne savraient, enfin je sais même pas quoi dire, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que les espèces delta sont des Pokémon de type différent au type habituel. Normalement, E9 est de type plante, et ben là par exemple, ils l'ont mis de type combat. Ensuite, nous avons un Barloche, d'accord. Un Carvana super joli. Franchement, cette série, elle a des illustrations juste magnifiques. Un Roucoule. Un Galekid, regardez-moi ça. Franchement, le paysage est juste magnifique. Waouh! Waouh! Oh là là, ça commence super fort. Brazégalis en holographique reverse, je pense. 20e, ah peut-être pas, il n'y a peut-être pas 20 Zolo non plus dans la série. C'est peut-être une rare, mais franchement, bah, c'est super bien fait. Hein. Regardez hein, le fond de l'holographique avec le titre, est juste très très joli. Super belle carte. Et derrière, nous avons, waouh, un Rayquaza en holographique, je crois. Voilà à quoi ressemblent les holographiques de cette série. C'est un goût assez particulier, je trouve, mais c'est joli. Donc là, on a les Zolo et les Zolo Reverse. Donc pour cette série, la série X Phantom Alone, une holographique, c'est toute l'image qui brille, enfin l'image et les bords apparemment. Par contre, j'ai remarqué qu'elle a un tout petit défaut, c'est qu'il y a un trait noir là sur le côté. Je sais pas si vous pouvez le voir. Non, non, je pense pas que ça soit normal. C'est dommage, une erreur d'impression. On le voit en plus qui est en haut de la carte là et qui est aussi en bas de la carte juste là, on voit pas très bien. Mais dommage, il y a un petit trait noir sur le côté, ça gâche un peu l'holographique. Mais on commence très fort, en plus le Brazégalis est juste magnifique. Waouh, super joli. Bon, bah, un super booster, hein, je sais pas quoi dire. Juste un super booster, une holographique et une holographe, enfin, ou une rare reverse. Je vous dirai ça après dans la description. Eh ben, je crois que je préfère quand même les reverse. Hein. Les reverse sont magnifiques, juste l'image avec l'écriture, je trouve que ça fait très joli. Mais le Rayquaza, qui est mon Pokémon préféré, envoie quand même du pâté. Alors, ensuite, nous recommençons. C'est la 3 et la 4. Hop là. On est reparti. Nous avons en rare un Camerupt. D'accord, très joli. Bon, je vais pas le dire pour toutes les cartes, hein, mais elles sont juste tous très jolies. Un Kaorin. Un Ammonita. Un Écrapince. Point en tire-bouchon. Il va nous faire péter le champagne. Un Dynavolt, très joli. Un Ferrosinge espèce Delta. Un Galekid. Waouh! Un Jolteon qui est encore une rare reverse ou une holo reverse. 19e, je pense pas que ce soit holo. Hein. Je pense que c'est trop proche, mais décidément, on a des excellentes reverses. Super tirage. Donc, Jolteon en reverse. Super joli. J'adore les reverses de cette série. Franchement, je les adore. Et derrière, nous avons un Brazégalis en rare. D'accord. Bon, bah, j'ai ma réponse. En plus, oui, je suis stupide. Les holographiques de cette série ont le titre or. Donc, c'est bien des rares reverse et pas des holo reverse. La lampe, tais-toi. Tais-toi. Merci. Alors, je disais quoi? Oui, Brazégalis, donc, bien une rare reverse, mais elles sont juste magnifiques, les rares reverse de cette série. Regardez-moi ça. Jolteon et Brazégalis. Déjà, deux rares reverse en deux boosters. Une holographique et une rare. Bon, c'est un très bon tirage, on commence bien. Allez, le booster Liviator. C'est pas celui. Ah non, c'est pas celui que j'avais ouvert en premier. Je croyais que c'était lui. Je fais n'importe quoi. Superbe ouverture. Hein. Franchement, je prends bien du plaisir. Allez, hop. Le troisième booster. Alors, hop. C'est donc la numéro 3 et 4. Voilà, derrière. Et on est reparti. S'ils ne mettent que des rares reverse, hein, c'est super. Hein. Alors, on a quoi? Si la lampe veut bien se taire, tais-toi. Merci. Nous avons donc un Raichu super joli, comme d'hab. Waouh, Galégon. Magikarp. Un Kabuto. Un Poussifeu. Encore un E9. Galekid, comme toujours, très joli. Waouh, bon bah une énergie assez classique, donc une énergie plante, elles sont forcément reverse, je crois, les énergies des séries X. Donc super joli. J'arrive pas à éteindre la lumière. Voilà, c'est bon.
Excusez-moi, la lumière me joue des tours. Et derrière, nous avons une carte que j'adore, un roux carnage en holographique. Juste trop joli. Il est super beau. Roux carnage holographique. Bon bah, espèce d'altin, vous avez bien remarqué que normalement, il n'était pas de type foudre, mais il est de double type. Type foudre et type métal. Donc, super joli roux carnage. Waouh, on est vachement gâté. 2 holo, c'est super. 2 holo, 2 rares reverse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? Franchement, des cartes juste magnifiques. Et on passe déjà au dernier booster. Ça passe trop vite. Ces séries-là sont juste trop bien. Et si je pouvais en ouvrir 100 des boosters comme ça, j'en ouvrirais 100. Mais vu qu'ils sont vraiment extrêmement rares, en ouvrir 4 déjà, je pense que c'est déjà pas mal, hein? Allez, le dernier booster pour terminer cette fabuleuse ouverture. Avec, en premier donc, à l'affiche, un Culbutoke. Mais oui, t'es joli. Un Kaorin, un Galekid, un Pichu super joyeux, suivi d'un Pikachu, très beau. Encore un Pikachu, joli, bah deux, un, on a une belle famille, Pichu, Pikachu, Pikachu. Les Pikachu sont à l'affiche, ils sont vachement magnifiques, je le connaissais pas celui-là. Très joli. Maintenant un Magikarp. Waouh, mais qu'est-ce qu'on est gâté! Un Mangriffe en rare reverse. Et ben les reverse aujourd'hui nous gâtent à fond. On est super gâté. Sur 4 reverse quand même, 3 rares reverse. Et la quatrième était une énergie, donc on a eu un tirage juste magnifique. Super. Et la carte de derrière restera. Waouh, un Hyporoi en holographique. Bon, d'accord, ok. Bah super tirage. Super tirage, 3 holographiques, 3 rares reverse. Que dire de plus à part magnifique, une explosion de chaleur, comme tu dis. Franchement, une explosion de chaleur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hyporoi en rare reverse. Bon, bah j'espère que franchement cette vidéo vous aura plu, car vous avez pu me découvrir en début de vidéo, vous avez pu assister à une magnifique ouverture, hein, Hyporoi, Roux Carnage et Rayquaza, hein, les 3 holographiques qu'on a eu, juste magnifiques, mais pas, c'est pas seulement, on a également eu un Brasigali, un joli Fleur et également un Mangriffe, 3 rares reverse et 3 holographiques. Une petite macro pour que vous voyez bien les cartes. Et ben voilà, franchement, on a été super gâtés, j'ai bien profité. Franchement, je suis pas déçu d'avoir ouvert ces boosters pour le coup. Et je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Elle va arriver très bientôt. Allez, merci à tous et salut tout le monde.